fondation du Nanyawa. Nous permettrons la même date de Samba. Vera, Vera, Coca-Cola, on est qu'on a. C'est bien de voir le relax, mais arrête. Allô, bébé? Ah, bébé, j'ai presque fini. T'inquiète pas, je serai bientôt de retour à la maison. Hein? T'en fais pas. Bébé, aujourd'hui, c'est le jour de ton anniversaire. Ton anniversaire. Alors, tu n'as pas besoin de t'épuiser. En passant, j'ai déjà tout apprêté. Ah, ok.
Ok, tu en as pour 10 minutes seulement, n'est-ce pas? D'accord. 10 minutes, c'est tout. J'arrive, t'en fais pas. Non, 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 non. Écoute, la semaine prochaine. Mais avant cela, la proposition devrait déjà être prête. Oui, exactement. Oui. J'y travaille encore farouchement. Il n'y a pas de problème, mais tu essaieras autant que possible de m'envoyer d'autres photos. Oh oui, oh oui. danabouif@gmail.com. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, bye. Mon bébé. Bonjour. Bonjour, bébé. Tiens, tente. Oh, merci, chérie. Chérie, écoute, bébé. Je sais que tu es fâché par rapport à la nuit dernière. Mais je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord?
T'as rien touché de tout ce que j'ai apprêté. Pour ton anniversaire, tu n'as rien goûté de tout ce que j'ai souffert pour préparer pour toi. Écoute, ce que tu fais là ne me plaît pas, oh. S'il te plaît, ne te fâche pas. C'est à cause du boulot. J'ai tout fait pour être à l'heure, mais je pouvais pas faire autrement. S'il te plaît, ne prends pas cette tête. S'il te plaît. Tu travailles tous les jours. De lundi jusqu'à dimanche. Mais trouve un peu de temps pour rester un peu avec ta femme. Ça te fera pas de mal. Ok, ok, y a pas de problème, y a pas de souci. Demain, c'est samedi. Je ne sortirai pas. Toi et moi, on restera ensemble du matin jusqu'au soir. Mmh, oui, mon mari. Je t'assure, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ok, d'accord. Ok, laisse-moi partir. Allez, tiens. D'accord, pas de problème, mais tu n'oublies rien. Bah, je m'en vais, il y a un problème. Ah, ne me dis pas que tu vas partir. Quoi? Sans mon bisou. Tu n'oublies bon jamais. Bye bye. À plus tard. Désolé, j'ai pas ce... Ne me touche pas! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Ne me touche pas! Qu'est-ce que tu... Tu regardes même où, hein? Où est-ce que tu regardais? S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. C'était pas intentionnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey. Tu m'as blessé! Oh! Désolé, désolé. Hey, c'était pas intentionnel, s'il vous plaît. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Vraiment, vraiment, il faut pardonner. J'ai pas fait exprès. S'il te plaît, excuse-moi pour ça. Ma chère, vraiment désolé. Je sais pas su comment c'est arrivé. Oui, pas de problème. Tu n'es plus fâchée, n'est-ce pas?
Bien sûr que je t'ai pardonné. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Ah, ouais. Tu ne m'as pas dit ton nom. Ok, je m'appelle Machi. Wow, Machi, c'est un si beau nom. Bien, merci. Comment es-tu dit? Bref, je suis un blogueur. Wow, oui. Ok. Oui, c'est bien. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible que j'ai ton numéro de téléphone? Bien, vous avez un job pour moi. Bien. Vous n'avez pas besoin de mon numéro, on peut toujours se rencontrer. Ah, mais voyons, je ne mange pas les gens. Hein? Nous sommes au 21e siècle. Hein? Hein? Mm. On a besoin de chacun pour grandir. Bien, prenez le temps maintenant. Bien. Tiens, tu peux l'écrire ici. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Tenez, le voilà. Bien, voilà. Suis-je libre de partir maintenant? Oui, oui. Ok, bye bye. D'accord, bye bye. Tu as promis. Je sais, bébé. Je sais. C'est juste qu'il y a eu ce cas urgent. Hein? Dan, aujourd'hui, c'est samedi. Samedi. Bébé, je t'en prie, il faut que tu sois patient avec moi. S'il te plaît, sois juste patient. En non, rien de temps, je serai encore libre pour toi. Ok, bébé, écoute, il ne faut pas que tu t'ennuies. Il ne faut pas que tu t'ennuies. Va faire ton shopping, va au salon de coiffure, va dans les boutiques, change ta garde-robe. Fais-toi plaisir. S'il te plaît, bébé. Mon cœur. Tout ce que j'attends de toi. C'est juste un tout petit peu de ton temps. Je sais, bébé. Je sais. Je t'en prie. Sois juste un peu. Montre-toi juste un peu patiente pour moi. Je serai à nouveau libre. Bébé, je t'en prie. Écoute-moi. Je vais régler tout ça, d'accord? Je vais régler tout ça et je serai à nouveau libre pour toi. D'accord? D'accord? T'inquiète pas. Je vais m'arranger à être libre pour toi. D'accord? À plus. Prends soin de toi.
Allô? Salut la jolie fille avec un joli nom. À qui ai-je honneur? Es-tu en train de me dire que tu reconnais plus ma voix? Ne soyez pas fâché. Explique-moi un peu, s'il vous plaît. Ok. C'est Tidi. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est amusant. Alors, comment vas-tu? Je vais bien. Je vais très bien. Alors, comment profites-tu de ta journée? Je m'ennuie tellement. Qu'allons-nous donc faire pour cela? Je me suis déjà habituée, c'est une seconde vie. Non, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas continuer à dire ça. Tu sais, la solitude peut entraîner à la dépression. Tu comprends? Mais que veux-tu que je fasse donc? Je pense que j'ai un plan. Un plan? Oui. Je te remercie grandement pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je serais en train de faire à la maison en ce moment. Nous nous sommes amusés hier au jardin public, aujourd'hui. Également, c'est beau. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est rien. Merci à toi. Qu'est-ce que tu portes là? Tu ne m'as jamais dit que tu étais mariée. Oh, j'ai toujours mon alliance avec moi. C'est vrai ça? Je l'ai juste remarqué aujourd'hui. Il y a 2 mois de cela que j'ai fêté mon 2e anniversaire. Waouh. Je ne savais pas. Bien, laisse-moi partir maintenant, on se verra une autre fois. D'accord. Ok, bien, au revoir. Merci. Bye bye. De rien. Porte-toi bien. Bye bye. On dirait que tu aimes ce repas, n'est-ce pas? Thank you.
Ok. Prends soin de toi, ok? Passe une bonne journée. Ouais. Reviens vite, ok? D'accord. Bye. Au revoir. Allô? Allô? Salut. Une belle femme avec une jolie voix. Comment vas-tu? Je vais bien. Il n'y a pas de problème. Ok. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok, ne t'inquiète pas, ok, ne t'inquiète pas. J'ai un autre plan. Sois la bienvenue. Merci. Tu peux prendre place. Merci. Le chutois est vraiment beau. Ah, merci. Ok, qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu aimerais boire quelque chose? T'inquiète pas, laisse-moi t'apporter quelque chose. Ok. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Merci pour le jeu, la boisson. Merci pour tout. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que tu sois contente. Oui. Je suis content que tu sois venue chez moi. Je me suis bien amusée. Tiens, c'est rien. Sais-tu que tu es si jolie? Oui. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça fait de t'embrasser. Oh non, tu fais... Arrête.
Ah, chérie. Bébé. Ouais, bébé, comment tu vas? Je vais bien. J'espère que ta journée. J'espère que ta journée s'est très bien passée. Ah, chérie, pourquoi tu es revenue très tôt aujourd'hui? Ah. Tout va bien? Ouais, j'ai fermé tôt aujourd'hui pour être avec toi, pour que tu ne te plains pas. Oh, chérie, rassure-toi, bébé, je suis très contente de te voir. Hein. Je suis très contente. Bienvenue. Bienvenue à la maison. Ah, merci, merci, bébé. Viens là, trésor. Bon bébé à moi. Si tout se passe comme prévu, avant la fin du mois prochain, je pense qu'on prendra des vacances. Nous irons dans des endroits comme les Bahamas ou à La Paz. Alors chérie, qu'est-ce que t'en penses? Bébé? Ma! À quoi est-ce que tu pensais? Bébé, il y a un problème? Tout va bien, bébé. Je vais bien. T'es sûr qu'il n'y a pas un problème? Non, chérie, rassure-toi, il n'y a aucun problème. Je vais bien. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, rien, rien. Rien, c'est ça? Viens. S'il y a quoi que ce soit qui te dérange, dis-le-moi, ok? Parle-moi. Chérie, ça va, je vais bien, ça va. Je n'ai aucun problème, ne t'inquiète pas, ok? Ça va. T'en es sûre? Oui. Nettoie juste le thé qui s'est versé là, d'accord? Oh, non, attends, que je te fasse une autre tasse. Non, ne te dérange pas. Ça va pour moi, t'en fais pas. Ok. Nettoie juste le sol et ça ira, d'accord, bébé? Merci.
Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui ne va pas. Tania, je suis fatiguée. Arrête. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas du tout d'humeur à le faire ce soir. Arrête. Oh, je suis pas d'humeur. Bébé, je t'en prie. Allez, s'il te plaît. Allez. Oh, Daniel, c'est quoi? Je t'ai déjà dit que je n'étais pas d'humeur. Arrête, je ne suis pas d'humeur. C'est tout. Reste tranquille, dors, c'est la vérité, je suis fatiguée. N'es-tu plus ma femme? N'es-tu plus ton mari? Hein? Agissons comme tel pour une fois, bébé, je t'en prie, allez, comprends-moi. Daniel, c'est évident que tu veux qu'on passe une nuit blanche, alors restons. Mati, je t'en supplie, je suis ton mari après tout, allez, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Daniel, je te l'ai déjà dit, je suis fatiguée et en plus de cela, moi j'ai sommeil. J'ai vraiment sommeil. Hein? C'est évident que toi tu ne veux pas dormir et tu ne veux non plus que je dorme. Alors restons ainsi. C'est comme tu voudras. Bébé? Ma? Allô, bébé. Tu es encore éveillée? Je n'arrive pas à dormir. Mon cœur est rempli seulement de tes pensées. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi maintenant. Tu me manques tellement. Bébé, s'il te plaît, tu dois aller te coucher. Chi. Tu ne comprends pas. Mon corps tout entier te désire. Mon corps te désire. Ne t'inquiète pas. Je serai tout à toi demain, ok? Tu comprends? Pas de problème. Je devine que j'ai pas de choix. Si je te pose une question, tu me réponds immédiatement. Que veux-tu que je fasse? Hein? Dis-le-moi, que veux-tu que je fasse? Hier soir, je t'ai entendu parler à quelqu'un. Avec qui étais-tu au téléphone? Daniel, pourquoi tu me poses de telles questions?
je suis libre de m'associer avec qui je veux. Et j'appelle qui je veux lorsque cela me chante. Moitié, c'est Soli à qui tu parles de cette manière. Te rends-tu compte de la manière dont tu me parles, Moitié? Quand est-ce que cela a commencé? Quand est-ce que cela a commencé? Daniel, laisse-moi tranquille ce matin, oh. Je ne suis pas prête à me discuter. Je pensais qu'à cette heure, tu devrais déjà être au travail. Qu'est-ce que tu fais encore à la maison? Hein? Va au travail, je ne suis pas prête pour faire les problèmes ce matin. Vas-y. Que je ne comprends plus du tout, Madi. La Madi avec qui je suis maintenant n'est pas la même que j'ai épousée il y a de cela 2 ans. Ah! Et dit que je ne la reconnais plus. Madi a changé. Mon frère, quand il s'agit du mariage et qu'on parle de partenaire, sois sûr que tu ne comprendras jamais la femme. Je te conseillerais juste de prendre les choses le plus calmement possible. Parce qu'en cas d'un faux pas, tu pourrais tout gâcher. Tu ne comprends pas. Et dis que tu ne comprends pas. Cette fille a changé. Cette fille a vraiment changé. Quelque chose ne tourne pas rond quelque part. D'accord. Dis-moi alors, à quoi penses-tu? Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être le problème? À mon humble avis, sois encore patient. Surtout ne t'engage pas à faire quoi que ce soit si tu n'es sûr de rien. Non. Et dis que les choses se sont déjà gâtées. Les choses se sont déjà gâtées. Dans ma famille était là me raconter ce genre de choses. Il faut que tu m'aides, Edike. Tu es sûr? Très sûr. Ok, il faut que je parte avant que le propriétaire de la maison ne rentre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu fais cette mine? Hein? Je ne veux pas que tu t'en ailles maintenant. Hey, c'est déjà la nuit. Demain, on continuera où nous sommes arrêtés. Non. Est-ce que tu pourrais encore recommencer une seule fois? Juste une fois. S'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi une autre dose qui me portera jusqu'à demain.
Bienvenue. N'est-ce pas la matière avec un autre homme? Etiquet, je te l'avais bien dit. Je te l'avais dit, Etiquet, je te l'avais bien dit! Dan, calme-toi, s'il te plaît. Ma femme à moi, avec un autre homme! Calme-toi d'abord. D'accord? Tu calmes. Il serait mieux pour toi de ne pas t'agiter maintenant. Essaie de te calmer, de réfléchir et agir. Il t'a demandé de te calmer, Dan! Ma! Dan! Donc t'as même pas peur?
moi, dans ma maison matrimoniale. Tu couches avec ma femme dans ma maison. Pardon. Doucement, non. Dan, arrête. Pardon. Arrête, Dan. Arrête. Non, dégage-toi. Arrête. Non. Lève-toi. Couche-moi la paix. S'il vous plaît. Malade. Mathilde. Dan. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Calme-toi, réfléchissons. Réfléchissons. Il faut qu'on trouve une solution. Hey, Jidé, comment vais-je réfléchir avec ces cas-ci? Je ne sais pas quoi penser. Je ne peux pas réfléchir. S'il te plaît, aide-moi. Attends, j'ai trouvé une solution. Tu sais quoi? Tu dois rester dans la maison. Laisse-moi aller déposer le cadavre très loin d'ici. Non, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester seule. Oh, Mathilde, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Non, je dois venir avec toi. Je ne peux rester ici toute seule. Je t'en supplie, amène-moi. D'accord, allons-y. Allons-y.
Hey! Hein? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que cela veut dire? Hey! Écoute, allons nous en loin d'ici. Allons-y. Hey! On va où? Le corps qu'on a mis dans la malle arrière n'y est plus. Maintenant, tu me demandes de partir. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Mathie, écoute-moi très bien. Oh. Tu sais très bien que je n'ai rien à voir avec ça. J'essaie juste de t'aider. Hein? Écoute, entre dans la voiture. Tu dois aller chez toi. Tu prends toutes tes affaires afin qu'on s'enfuit. T'aider? J'essaie de t'aider. Quoi?